reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me, throw your sticks and your stones. Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin Zakara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Fallout 76 pour l'épisode numéro 3. Et rappelez-vous, dans le dernier épisode, on avait commencé un petit peu à visiter les Terres Désolées. Donc dans un premier temps, ça avait été un petit peu compliqué pour ceux qui ont vu l'épisode numéro 2. On avait pas du tout de vie et pas du tout d'eau. Il a fallu qu'on cherche de quoi se nourrir et se déshydrater. Mais bon, au final, on avait réussi à trouver... On avait même réussi à trouver le camp du superviseur et à fabriquer une arme, enfin une arme ou deux armes, je ne me rappelle plus, enfin quelques armes quoi. On avait fabriqué un flingue, des couteaux de lancer et on avait pu se faire aussi une armure. Donc voilà, plutôt sympa, il nous manque plus que le plastron et puis on aura déjà un bon équipement de départ. Donc déjà dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais recycler du coup mes objets dans mon bric-à-brac que j'ai pas pu faire avant. Voilà, nickel. Bon, il y en avait des choses à recycler hein. Et dans un deuxième temps, je vais me remettre de la vie. Alors, je vais boire un peu et puis manger, histoire de faire remonter un petit peu ma barre d'hydratation. Voilà, c'est bon, nickel. Eh ben allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire, comme dans l'épisode précédent, trouver de quoi se nourrir et de quoi boire. On va essayer de trouver un petit peu des armes aussi un petit peu plus performantes. Et puis si on pourrait trouver 2-3 accessoires d'armure aussi, ça serait pas mal. Et on en profitera aussi pour faire la mission. Donc la mission, trouver le superviseur à Flatwood. Donc là, je crois qu'on est, on n'est pas dans la bonne direction. Non, même pas du tout. Oula. C'est quoi ça? Ok. Ah d'accord, c'est des râteaux. Ça a l'air bon. Ils m'ont un petit peu surpris. Hein. Allez, on va partir là-bas. Ah oui, donc du coup, je voulais voir aussi si j'avais mon SVAV déjà de débloquer. Parce que je sais pas du tout si on l'a dès le début ou pas. Mais bon, on verra bien, hein. On verra bien, on testera ça sur le prochain ennemi. Alors là, il y a un ennemi. Ouais, quoique, hein, des fois, il met contre quoi il y a des ennemis, il n'y en a pas. Allez, viens là, tas de ferraille. Bon, là, du coup, sur ce coup-là, il y en avait un. Hein. Ouais, parce que je disais, des fois, ils marquent des ennemis et ils sont à perpète les oies, par exemple. Il peut être là-bas au bout, vers la petite montagne, là. Ah, du coup, j'ai pas encore mon SVAV, hein. Allez les clébards! Crevez! Salopio là! Et va vraiment falloir faire attention parce que les balles, ça descend vraiment à vitesse grand V. Hein. Alors, est-ce que je vais pas plutôt prendre ma machette là? Ça sera peut-être mieux, hein. Reviens là, toi. Reviens là, la biche. Alors, j'espère que ça vaut vraiment le coup que je la tue, parce que...
J'ai bouffé toutes mes balles. Alors je pense que là j'ai fait une connerie. Hein. Je pense que là j'ai fait une connerie. Alerte automatique à tous les Samaritains. Les Mister Farmans sont devenus incontrôlables. Évacuez les civils. Wow, en plus elle s'est barrée. Quand vous vous en serez dit, il faudra encore redémarrer le serveur. Ah, ça a infesté de ratopes ici, hein. Et j'ai bugué. J'ai bugué, je me suis trompé. Du coup, pour mettre les emotes et prendre mon arme. C'est vrai qu'au début, ça va être compliqué, hein. Quand on connaît pas les touches, tout ça. Mais bon, à force, hein. Une fois qu'on aura pris l'habitude, ça sera bon. Alors, la biche, elle s'est barrée, hein. On n'a pas pu la voir. J'ai bouffé toutes mes balles pour rien. Allez, on va essayer de se rattraper. Trouver des objets, tout ça. Ouais, tout un tas de conneries là. Oh, viens là, l'opossum. Oh, nom de Dieu, il est à moi celui-là. Il est à moi. Allez, viens là, toi. Alors, où c'est qu'il est passé son corps? Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Tant pis. C'est pas grave. Alors, on en est à là. Qu'est-ce qu'on a de beau par là? Rien de spécial à ramasser. On va peut-être monter en haut, hein. On aura peut-être 2-3 trucs en haut. Ouais, non, même pas. Quoique là, on a 2-3 petits objets. Après, faut vraiment bien fouiller. Hein. Faut vraiment bien fouiller parce qu'on peut vraiment passer à côté de plein de choses. Moi, par exemple, dans l'abri 76, j'ai été un petit peu vite dans le premier épisode et j'ai pu voir que j'avais oublié pas mal de choses. Hein. J'avais oublié notamment quelques objets de construction. Donc de la ferraille, du bois, tout ça dans un des bureaux. Et ça aurait pu vraiment me servir par la suite, quoi. C'est pour ça, pour ceux qui commencent, ramasser tous les objets, hein, pensez à tout ramasser. Il n'y a jamais rien d'inutile, que ça soit pour de la récup, que ça soit pour se servir pour fabriquer des armes, etc. Ah bah tiens, on a passé un niveau, on va se mettre les points de niveau. Alors, point de niveau, tac. Alors, vous possédez un pack d'aptitudes non ouvert. Souhaitez-vous l'ouvrir? Bah ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Des cartes. Bah nickel. Alors, on va mettre nos points. Je vais en remettre un sur force. Alors, pharmacie itinérante. Le poids de toutes les drogues dont les stick packs est réduit de 30%. On va mettre ça. Et puis on va mettre un petit peu je pense dans le charisme. Alors qu'est-ce qu'on a là? La faim et la soif augmentent 40% plus lentement lorsque vous trouvez dans un camp ou dans un atelier d'équipe.
D'accord, je vais mettre ça. Et je pense que c'est tout. Hop, on équipe. Ça, c'est la perception. Ouais, bon, on va tout équiper, hein. Tout ce qu'on peut équiper, on y équipe. Vous n'avez pas suffisamment de points pour équiper une carte de cette catégorie, d'accord? Alors, c'était quoi? Votre vitesse de course est augmentée de 10% quand vous avez un pistolet équipé, d'accord? Ah bah tiens, on est à Flatwood. Alors, normalement, on devrait arriver à trouver l'endroit de la mission. Oula. Je vais me cacher un peu. Je vais me prendre un pistolet là. Alors, qu'est-ce que j'ai comme arme puissante? Ah bah tiens, j'ai celui-là. Je vais le mettre en favori. Alors, où c'est qu'il est? Tac. Raté. Allez, tu vas crever. Alors, je crois qu'il y avait un autre ennemi aussi là-bas. Il est où? Il est où, ce couillon? Ah bah tiens, il est là. Oula, il fait mal. Allez, crève. Alors, tuer les superviseurs des Farm End. Farm End ou Farm End, je sais pas. Pour l'instant, on en a un sur trois. Voilà, c'était ça. Et il faut qu'on en trouve du coup deux autres. Alors j'entends un ennemi par là. Ok. C'est un rat de cafard. Ouah, c'est qui fait mal, oh. Eh ben mon salopio. Donc là, il va falloir que je m'en remonte la vie, hein, parce que sinon, ça va pas le faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on a par là? Des cartouches. Bon, de toute façon, si j'ai pas le temps de tout récupérer, hein, j'y passerai faire un tour plus tard. Après, du moment où c'est qu'on a découvert l'endroit, vraiment, on peut revenir quand on veut. Eh, hey, coucou toi! Petite bramine. Ah, mais en fait, non! Je suis bête, c'est un événement en fait. C'est un événement. Trouver le superviseur, c'est pas du tout là en fait, hein. On va regarder un petit peu sur la carte. Alors, du coup, notre mission principale, où c'est qu'elle est? Ok, d'accord, elle est là-bas en fait. Elle est là-bas, notre mission. Alors, ça doit être celle-ci, hein. Je vais regarder un peu. Ouais, c'est celle-ci en fait. Oui, parce que normalement, j'avais vu que les missions principales s'affichaient tout en haut. Et là, vu qu'il y a un événement, eh ben, elle est mise en bas. Alors, planque du superviseur, journal du superviseur. Journal du superviseur, ville de Flatwood. Mon Dieu. Bon, donc du coup, hein, je vous laisse écouter, hein, tranquille. Mais je vais faire mes petits trucs pendant ce temps-là, parce que j'ai découvert, hein, que dans mes épisodes précédents, personne.
Ça faisait pas mal de blanc. Mais bon, normalement, hein, vous entendez, hein. Vous pouvez entendre ce qu'elle dit. C'était une personne, mais elle présentait des lésions vertes et scintillantes. Et sa voix, furieuse, torturée. On n'est pas. Quoi, ce qu'il s'est passé. Ah bah tiens, il y a des mecs là-bas, je crois. Et pourtant, on imagine ce qui s'est passé. Oula. Eh oh. On est en train de se faire dégommer, oh. Composé de pompiers, de policiers, ils avaient même un système automatisé pour apprendre aux gens à voilà. À cuisiner. C'est une saleté ces machins là. Pas l'entraînement de l'abri, la survie d'abord. Je remplis leurs tests et vous devriez faire de même. Bon, je suis désolé. Je sais que la situation est bien pire. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Mais quelqu'un doit localiser ces silos à missiles. Et trouver le moyen de les sécuriser. On n'a rien de spécial. Les Samaritains sont la meilleure piste que nous possédons. Quand j'en aurai fini ici, je reprendrai la route. Cherchez mes journaux. Je vais partir devant et partager tout ce que je trouve. C'était votre superviseur. Voilà, nickel. Alors, enregistrez-vous en tant que volontaire. On va regarder un petit peu sur la map où c'est que c'est. Bon bah c'est bon, on est sur le bon chemin. Il nous manque plus que un superviseur des Farm End. On va essayer de le trouver avant de partir. On va essayer de le trouver, comme ça au moins ça sera fait. Alors, est-ce qu'il y en aurait un par là? Pot de fleurs, je sais pas à quoi ça va nous servir, mais bon. Ça sera bon pour le recyclage, ça. Allez, bim, one shot. Bon, il va pas mal ce flingue là. Bah, après, il fait 42 dégâts aussi, quoi. Alors, est-ce qu'il y aura encore un robot là? Ça serait bien. Tiens, il y a déjà un robot là-bas, un Mister là. Ouais, je l'ai déchiré le machin. Oh. Je l'ai dégommé. Par contre, c'était un robot que je cherchais. Je m'en fous un peu de celui-là. Ah bah c'est bon. C'est bon, c'est bon. La mission, il me la marque plus. À moins qu'elle soit peut-être terminée, hein. Parce qu'il me semblait pas que les Mister Andy fassent partie de la mission, hein. Non, j'en avais pas tué un troisième du coup. Ah ouais, mais il faut encore démarrer le serveur. Ah ouais, mais ça va être long en fait. Ça va être trop long. Oh merde, il est vivant. Ouah, j'ai cru que c'était une statue en fait. Ah, il m'a fait bouler l'enfoiré, oh. Ah ouais, je lui ai tiré dessus en croyant que c'était juste une statue, moi. Je pensais que c'était une statue là, genre un truc en paille ou chose comme ça. Oula. Ouais, ça va. Celui-ci est affaibli. Message automatique. La garde forestière ne détecte plus aucun signe de superviseur. Bon travail. L'équipe de Samaritain doit se diriger au centre agricole et pénétrer son système pour réinitialiser les paramètres de ciblage des Parmens. La population de ce secteur devrait être en sécurité. Bon, on récupère encore comme d'habitude toutes les conneries là.
Il y a pas mal de choses, hein, quand même. Il y a pas mal de choses. Pas mal de choses de valeur qu'on pourra ensuite recycler ou vendre. Alors, modifier les paramètres de cible des farm end. Ok. Bah, a priori, ça a l'air d'être bon. Je sais pas trop comment ça marche, hein. Parce que pourtant, j'en ai pas tué un troisième. Donc, est-ce que les robots tués par les autres, ça compte ou pas? J'en sais rien. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oula, je crois que ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon. On s'est mis dans quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas dû, hein. Y a pas des potes avec moi là? Oula, mais il va me tuer lui. Oh. Ouais, je suis dans la merde en fait. Je suis dans la merde. Je me casse. Bon, du coup, on a bien fait de sortir, hein. Parce que j'ai vraiment failli crever. Par contre, au niveau des chargements, je les couperai peut-être parce que ils sont vachement longs. Oula, mais il y en a plein d'autres. Waouh, on est dans la merde là. On va essayer de se cacher et de se remettre de la vie parce que là. Puis en plus, j'ai pas spécialement des trucs qui remettent beaucoup de vie là. Quoique ça, ça remet quand même pas mal de vie. On va prendre ça. Allez, nickel. Alors nous, on va partir pour notre mission. Hein. On va partir pour la mission « Enregistrez-vous en tant que volontaire ». Et puis, ça sera déjà pas mal. Je vais regarder un petit peu où c'est qu'elle se situe. Alors, où c'est qu'elle est, cette mission? Ok, elle est derrière. Donc, elle doit être là-bas, hein, je pense. Je pense qu'elle doit être là-bas. Non, mais là, c'était un peu le bordel, hein. On n'est pas encore assez aguerri pour s'attaquer à ce genre d'ennemis. Alors, kiosque d'inscription en libre service. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Alors, bienvenue survivants, ce programme a été développé pour transformer les survivants en samaritains volontaires, chevronnés en tant que volontaires. Votre travail est d'aider les autres et notre travail à nous, autres samaritains, c'est d'aider tout le monde, vous y compris. Alors on va s'inscrire. Voilà, donc du coup, bienvenue volontaire, transfert du cours sur votre périphérique externe, terminé. Présentez-vous à la samaritain Keisha McDermott, je ne sais pas quoi, pour plus d'informations. Donc voilà. Alors, demande de parachutage gouvernemental. Réparer le terminal de la tour relais. Ok. Et ben voilà, on a une petite récompense. Donc je sais pas du tout ce qu'on a eu, hein. Vous lirez en haut ou vous mettrez sur pause. Voilà, donc je pense, écoutez, hein, qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, hein. Le temps que je trouve voilà, des nouvelles armes et retrouve un petit peu de vie. Sinon, ça va être un petit peu la galère pour continuer.
Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Abonnez-vous aussi à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné et que ma chaîne vous plaît. Activez aussi la petite cloche des notifs pour rien rater sur la chaîne. Moi en tout cas, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.